Lors d'une précédente interview, cette petite fille, devenue une grande célébrité, s'est confiée sur son parcours. La star, qui vit actuellement à Los Angeles, a révélé qu'elle avait grandi à Tottenham, dans le nord de Londres. À l'âge de 10 ans, elle a déménagé dans le sud de Londres pour quelques années et a décrit leur maison comme la meilleure de toutes. Elle est restée avec sa mère et l'endroit où elle vivait a souvent fait l'objet de discussions dans la presse. Leur maison était située au-dessus d'un magasin discount et leur toit terrasse était relié à d'autres maisons. La star se souvient de l'expérience incroyable qu'elle a vécue, et elle a habité avec une jeune famille comprenant trois petits garçons qui couraient partout en portant des couches. L'artiste n'a pas aimé l'école au début, mais elle s'est finalement épanouie lorsqu'elle a eu 14 ans et qu'on lui a proposé de fréquenter la Drip School for Performing Arts. Son père lui a acheté une guitare Simon. La chanteuse, qui peut également jouer du saxophone, avait déjà abandonné la flûte à l'âge de 13 ans parce qu'elle avait commencé à fumer. Elle est devenue célèbre à l'âge de 19 ans et a sorti son album 19 en janvier 2008. En octobre 2015, ses fans ont pu voir à quoi elle ressemblait lorsqu'elle était petite, lorsqu'elle a partagé une image de Throwback Thursday sur Instagram. Elle est apparue avec des dents manquantes alors qu'elle souriait à l'appareil photo. Adele se produit sur scène le dernier jour du Noordzee Jazz Festival le 12 juillet 2009 à Rotterdam, Pays-Bas. Source, Getty Images. Plus tard dans sa vie, la star a trouvé l'amour et s'est mariée avant que son mariage ne s'effondre. L'une des choses dont ses fans ont le plus parlé est la façon dont elle a perdu du poids et dont elle s'est reconstruite après être redevenue célibataire. Cette petite fille qui est devenue une star, comme vous le savez peut-être maintenant, n'est autre que la chanteuse Adele. En septembre 2019, différentes sources ont révélé qu'Adele était en train de changer de mode de vie. Selon une fan, Lexi Larson, originaire de Hingham, Massachusetts, la chanteuse lui a dit qu'elle s'était davantage concentrée sur sa routine de fitness et qu'elle avait choisi un mode de vie plus sain. Adele arrive au Brit Awards à Hurley The Pool le 20 février 2008, à Londres, Angleterre. Source, Getty Images. Le 3 janvier 2020, lors de vacances à Anguilla avec des amis de la famille, Larson, alors âgée de 19 ans, et ses amis se sont rendus au Blanchard Restaurant and Beach Shack pour dîner. Harry Styles dînait à une table voisine, et alors que Larson et ses amis étaient pris par surprise, Adele est soudainement apparue et est venue s'asseoir avec eux. La sympathique chanteuse a appelé Style et ils ont passé une quinzaine de minutes à discuter avec les fans éblouis. Étudiante en psychologie à l'université d'Elon a déclaré qu'ils avaient parlé de la vie, de l'université et de leurs objectifs futurs. Adele at the 70th Annual Golden Globe Awards on January 13, 2013, in Beverly Hills, California. Getty Images. Larson a avoué qu'elle et ses amis n'ont d'abord pas reconnu la chanteuse parce qu'elle avait perdu du poids. Elle s'est souvenue à quel point Adele avait l'air heureuse et étonnante tout en semblant confiante. Elle s'est souvenue, elle, Adele, a dit qu'elle avait perdu quelque chose comme 45 kilos, et c'est une expérience positive tellement dingue. Adele lors de la 15e édition des Outs Awards le 14 novembre 2008 à New York. Source, Getty Images. La chanteuse a changé de mode de vie après avoir divorcé de son ex-mari Simon Konecki. Dans une autre interview, elle a révélé que son mariage de 2 ans s'était terminé parce qu'elle n'était pas heureuse. La mère d'un enfant a expliqué que ni elle ni Konecki n'avaient fait quoi que ce soit de mal dans leur mariage. Pendant, le couple avait rompu depuis un certain temps avant d'annoncer la nouvelle à d'autres personnes. Elle en a donné la raison, « Je veux que mon fils me voie vraiment aimé et être aimé.
C'est très important pour moi. Depuis, la star a entrepris un voyage pour trouver son vrai bonheur. Bien que le mariage d'Adèle n'ait pas duré éternellement, il en est ressorti une chose positive que la musicienne adore. En 2011, Adèle a commencé à fréquenter Konecki, et le 19 octobre 2012, ils ont accueilli leur seul enfant, Angelo. Le couple s'est secrètement marié en 2018, mais s'est séparé l'année suivante et a continué à coparenter leur fils. Le directeur de la charité et son ex-femme ont partagé la garde conjointe de leur fils et ont même déménagé en face l'un de l'autre à Los Angeles. Une source a révélé qu'Angelo est le monde de la chanteuse, et a ajouté, « Ils font ce qu'il y a de mieux pour Angelo. » En juin 2012, Adèle a annoncé sa grossesse par le biais d'une déclaration sur son site web. La célébrité a partagé qu'elle et Konecki étaient ravis d'annoncer qu'ils attendaient leur premier enfant ensemble, et qu'ils étaient aux anges et excités. L'année suivante, quelques mois après la naissance de son fils, la chanteuse faisait toujours tout son possible pour garder le nom de son fils secret. Cependant, lors des Golden Globes 2013, elle a remercié son petit ami et son fils mais n'a pas révélé le nom du garçon en recevant le prix de la meilleure chanson originale pour le titre Skyfall. En coulisses, la mère de famille a refusé de donner le nom de son fils de 3 mois, affirmant que c'était personnel pour elle et qu'elle prenait plaisir à le garder pour elle seule. Cependant, elle a été aperçue plus tard à Los Angeles portant un collier avec le nom Angelo, ce qui a suscité des spéculations de la part des fans sur le fait qu'il pourrait s'agir du nom de l'enfant. En 2015, la star a parlé de son fils, l'appelant un petit ange. La chanteuse a déclaré qu'Angelo faisait ressortir tout ce qu'elle aimait chez elle et qu'il était la seule personne dans sa vie à lui dire non, car il était son chef. Sur 25, le troisième album d'Adèle, son fils, alors âgé de 3 ans, a dit « Je veux m'asseoir à côté de ma maman au début et à la fin de Sweetest Devotion ». Il se trouve que c'est un titre que la star avait écrit pour lui, et elle a dit un jour qu'elle aimait que sa vie tourne désormais autour d'une autre personne. Angelo a déjà accompagné sa mère à des répétitions, mais il l'a vu pour la première fois en concert en novembre 2021. À l'époque, la musicienne avait chanté les nouvelles chansons de son album 30 lors de son concert spécial One Night Only. L'ex-femme de Konecki a même déclaré au public du Griffith Observatory de Los Angeles que c'était la première fois que son fils la voyait se produire. Elle s'est sentie honorée de la présence de son bébé ce soir-là. Tard, dans un tweet, l'artiste a avoué qu'elle n'avait jamais été aussi nerveuse de ma vie lorsque son fils assistait à son spectacle. La chanteuse s'est également souvenue d'un incident au cours duquel des filles plus âgées ont poursuivi Angelo dans leur école, lui demandant si la star était sa mère, ce à quoi il a répondu, « Il était du genre, je crois qu'elle s'appelle Adèle, ouais. Ma mère. Ma mère. Pour lui, je ne suis pas Adèle. » Il a expliqué que son fils avait l'impression que les filles le harcelaient parce qu'il se sentait gêné. La musicienne a expliqué de façon hilarante à son fils qu'il n'était pas victime de brimades et l'a encouragé à leur dire qu'elle était sa mère parce qu'elle lui avait essuyé les fesses. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.